Mesdames, mademoiselles et messieurs, yo go bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dépendamment de à qui l'est, wap gade, ou tante nous, nous jeudi 27 septembre 2021. C'est toujours avec même plaisir à toute équipe là à la ronde bade. Nous comptons région nous à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Avant même que nous entrions dans les détails vidéo, quittez-nous pour quelques secondes seulement pour demander ou même qui nouveau et qui qu'on habite sur nous tout qui peut co abonner ou capable profiter faire ça coulia abonner avec channel info 24 là songez pour activer petite cloche là pour qu'à toujours connait à chaque fois équipe ça mettez en ligne une nouvelle vidéo. Nous pas oublier pour nous remercier tout ancien avec nouveau abonné nous qui toujours fait nous confiance pour informer ou pour capable continuer aider nous partager vidéo nous sur tout groupe Twitter, Facebook, WhatsApp, une façon pour capable aider plus monde informé. C'est comme ça tout va encourager nous chaque jour plus pour chercher plus bon gens information cap dominer actualité à dans pays d'Haïti tant coup à l'étranger pour nous côté pour. N'a pas de directement dans actualité qui intéresse nous, une bagaille qui kebe actualité à c'est intervention ministre affaires étrangères Jean-Victor Généis, que nous connaissons, qui t'a représenté Dr. Ariel Ri dans la réunion Nations Unies t'a fait sous Haïti, côté ministre dit tout bagaille sous contrôle. Une intervention qui choquait un peu le monde dans le pays d'Haïti pour nous garder qui état pays a, comment la situation lui-même l'a évolué. Et puis, le ministre dit tout est sous contrôle. Contrairement avec en pile l'autre intervention qui est venue vers Haïti, la Russie, la Chine, qui fait connaître le pays d'Haïti, a besoin d'une collaboration pressée pour permettre la population haïtienne de sortir dans la crasse. Il y a plusieurs leaders politiques qui déjà réagi sur la question de ça. Jean-Charles Moïse, leader petit de Salinas, Dieu t'a dit, pour citer ça seulement, qui potait. Et intervention par eux vis-à-vis des ministres affaires étrangères qui t'a représenté le gouvernement Ariel Ri à côté, les dit tout bagaille sous contrôle. Situation toujours paraître paralysée dans le pays d'Haïti après plusieurs semaines depuis population levée campée pour demander Ariel Ri quitter le pouvoir. Une revendication en peu le monde estime qui juste cependant. Face aux populations haïtiennes, a fait mouvement, crasé, brisé, mettez diffé, sa pape jambe au profit peuple haïtien parce que l'air crasé, l'air détruit, ça au possédé, c'est bac l'a toujours fait économie en fait, li pape jambe fait avancer. Et puis devant, pour l'inviter à suivre quelques réactions pour plus détaillé. Et d'ici la gare sous contrôle, nous pas nous prenons sous contrôle là. Même l'école n'est pas ouverte, il envoie encore, parce que maintenant l'école, nous allons à l'école avec un langage $500. Comment le peuple va payer abonnement? Comment si nous dans l'école, nous sommes tous blancs de nous dans la rue, les gars sont à langage $500, comment pas terminer si nous dans l'école? Parce que c'est le peuple principal dans vous, mais. Donc nous autres, nous-mêmes, pour nous anticiper ça, comme avant-gardiste, nous ne pouvons pas gagner, mais nous sommes obligés de camper, jusqu'à la victoire finale. Coup de but, nous comptons faire parler ça. Je vous remercie pour l'opportunité de moi, frère. Nous ne pouvons pas prendre la rue, nous prions ça pour nous briller, jeter de l'eau, parce que nous avons dit à jeter la bouche. Au contraire, ministre de justice, il faut tirer tout le monde sans d'accueil hier soir. Parce que tout le monde maintenant a manifesté parce que pas qu'à l'enjeu. Mais quand on dit que tout le monde s'en a quelqu'un fou, bien que 16, 18 ans, il y a un majeur, nous pouvons se mettre en commun pour ne pas manger. C'est marcher, n'a pas marché, manger des charités dans la commune, pour nous faire un sac de ribaillou. Employer s'en a quelqu'un, 2-3 ans, il va nous toucher. Maintenant qu'on est là, maintenant, c'est où on lit des coups pour nous prendre la rue, pour ne pas prendre la rue. Donc maintenant, nous demandons des ministres de justice là, lui, ouais, nous faire bon enfant avec la CAFO. Parce que les habitants de CAFO, nous respectons bien le monde, nous respectons. Nous disons la vie pour la police se protéger et servir, et demander la police comme une Kafou, garder du sérieux, accompagner le peuple dans les manifestations paisiblement, et demander manifestants autour. Pas toucher les bagages qui sont pauvres, pas manger les bagages qui marchent, pas vouloir faire le monde, pas manger à faire le monde, parce que nous sommes des bons citoyens,
on tout bon citoyen supposé au rendez-vous, rendez-vous pas nous pour changer et n'abattre le système, non, son système, son problème systémique, il faut attaquer et éradiquer. Et nous parlons de quel mythe qui presse nous autour, parce que Che Guevara disait, l'autre mène en bataille ou les libérer. Premier point pour attaquer, c'est le monde qui est bon côté qui pas bon. Parce que si le monde est bon côté maintenant, pas de compte fait ça que pas ça, l'extérieur là, pas capable de venir côté pour l'entrée. Les États-Unis, la France, le Canada, soi-disant pays, ils ont fini, ils ont clandestin, un pays souverain comme Haïti, nous disent non, désormais, je vous dis à maintenant, nous allons chercher une solution à la haïtienne, mais sans Ayel. Ayel, c'est problème, il n'y a pas de solution. On ne peut pas être objet et sujet en même temps. Que le comme nous conduit dans la rue, le ou la façon, n'a pas attaqué, n'a pas gagné parce que 5 départements qui bloquent là, Cafou, la porte d'entrée. Merci beaucoup. C'est vous, merci. Merci un peu le député Jacques Beauville. Sénateur Salomon, oui, pour te chercher là, parce que quand même, Jean Okaye là, il faut Sénateur Salomon capable véritablement parler avec nous pour nous voir véritablement comment la situation est. En réalité, pour nous comprendre, c'est que l'État dit qu'il prend tout le bagage sous contrôle là, l'a fait face depuis le matin à un paquet de villes de province qui en rébellion, qui en révolte contre l'autorité établie. Ça veut dire. Pendant que l'État dit le sous contrôle, tout le bagage est sous contrôle. Pendant que l'État a dit le présent, le grand monde l'a fait respecter la loi, le pays a dit il y a une insurrection, le pays a dit la mort de révolte. Qui est l'État réel là? L'État. Bon, finalement, réel même, tout le monde. Il n'y a pas mon côté lui, non? Bon, regardez, c'est ça, moi, je de côté lui. Il est dans ma roue. Galami, c'est Alphon Titan en direction générale de la police là, ça. Bon, il grand. Dans le cas qui est sous carade, il met la police ni devant, ni devant, matin, midi, soir, avec gros, j'en fais ma caque. Finalement, il y a un monde qui compte carade lui. Il est dans ma roue. Il doit survivre Michel Lalgeté plus. Regardez le qui soit ici, mettez. Bon, pendant que vous avez fait le sénateur Salomon, mon baril dans le sud, auditeur, auditrice Nabdoli, que y a un pile ville de province. Sénateur Salomon là, qui est levé dans la situation. On est fâché un pile. Sénateur, arrêtez là. Haïtien que les gens généraux, ils t'ont bêtisé l'international. Mais finalement, il fait ou fait ça, même ou bien consacré à la vie. Sénateur Salomon, comment est-ce? Moi, à Kembe ferme, Romanes. La bataille, la goumé? Eh bien, nous n'avons pas le choix. Moi, saluer professeur Léonidas. Bonjour, sénateur. Moi, saluer auditrice, auditeur qui branche dans le moment. Radio Omega. Moi, saluer tout le monde à la ronde badè. Notamment, Silayo, qui est dans le grand sud pays. Très bien. Qui, malgré tractation, répression et intimidation, toujours Kembe l'humain. Flambeau mobilisation. Où dans les 10 communes des affaires étrangères là, Jean-Victor Gédéus? Bon, c'est tout simplement un messager qui transmet message patron. OK. Donc, ça montre nous à qui niveau, eh bien, en pile dans politiciens nous, ils ont fait politique dans le pays. Donc, niveau en très bas. Et ça montre nous tout degré de méchanceté en pile dans le dirigeant nous. Ma profite de antenne Radio Méga pour envoyer sympathie moi, au Manès, by famille, amis, victimes dernier Zach Maspinay, responsable de la police dans le sud, qui a fait sous mon okay, plus précisément sous mon derrière fort à la savane. Moi, coupé bien bas pour moi saluer mémoire Célestin Mancini, alias Papout. Radio je ne garde ça que la police fusillée a un balle dans la tête. C'est quoi causé? N'a pas répété une autre fois encore. Sans mon saillot, pas couler pour grand métier. Dans pas longtemps, il y a besoin de justice à préparation. A bien un gros procès, eh bien, dans la ville locale, particulièrement. Alors, Romanès, si vous permettez, moi, je suis intervenu matin pour être capable non seulement de mettre la population haïtienne au courant de ce qu'a fait, mais tout pour me voir au pinga, by affaires politiques, République Port-au-Prince, pour me dire ce qui s'est passé dans la veille. Il va passer dans la veille. J'appelle pour Chaudière à monter sous nos peuples là. Et puis pour le descendre sous nos gros zouzounios,
histoire ça fini. On comprend sentiment qu'on est ça qu'a fait là dans l'hôtel yo. Sous permettre que me continuer au mal. Quoi ça bourrique pas de travail ben choix le galon. J'en répète très souvent parce qu'il mon écran là c'est ligue de civil. Très souvent nous remarquons que le gagnant protestation dans tout pays, le gagnant révolte populaire, eh bien, il y a un pile opportuniste qui profite le moment où il prend une ligne. Faut discussion politique au fait dans toute transparence. D'ailleurs, Romanès, patate, pas boucané derrière le mettre. Pas de gagner négociation en battable. Opération chauve-souris, n'a pas joué 4 ans. Quatre sous table. Jouet là, il est serré. Et je ne peux pas remettre que double 6 mourit dans mes acteurs politiques. Pendant le peuple sous béton, il y a un pile leader politique qui chita a fait dilatoire. Il a fait tant passer. Et pas oublier qu'en 2004, bon bagaille comme ça qui est arrivé. Ancien président Jean-Bertrand Aristide, lui prend un coup d'État. Et puis, classe politique n'a pas arrivé en temps de pour offrir à la nation une alternative. Eh bien, d'après ça qui a passé là, eh bien, nous sentons que nous sommes capables de prendre une loi 2004. Et heureusement, nous gagnons des mondes qui sont très vigilants. Particulièrement nous autres, au niveau de l'OPL, nous très vigilants par rapport à ce qui a passé là. Il a répété encore, il faut éviter l'effet 2004 parce que un peuple qui oubliait l'histoire est condamné pour le revivre. Dans ce sens, n'a dit que je vais mettre dame qui passe coûte. Après, nous, c'est nous. Qui est-ce qui fait ça, sénateur Salomon? Qui est-ce qui fait ça? Radio Omega. Tout le monde connaît. Parce que je ne sais pas quoi c'est le monde qui a parlé de haut conseil de la transition. C'est dans le compte, c'est au cap de ça, au café. Je ne sais pas si c'est de haut parlé. Au conseil de transition, d'ailleurs, son proposition que nous-mêmes, dans le grand sud-pays, nous avons fait, ce n'est pas ça qui est mauvais en soi. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est que je dis, nous avons des acteurs politiques. Qui n'est pas capable de vivre Antonio malgré Oshita autour d'une même table. Et c'est là un danger. Hein? Et me considérer le peuple qui est sous béton, tant qu'on des mecs perdent cap bras son moitié, et puis nèg qui en l'air à Calais-Ouest, et puis moitié à Dynamé. Donc, il faut que M. Damio très prudent. Et m'a répété encore, je vais te mettre Damien pour le suspendre. Faut nous sortir dans le service. Faut dire, ça bouillir un seul bon. Là, nous avons l'impression qu'on a inquiétude. Ou avons lancé un appel là avec des acteurs politiques qui pas arrivé en temps, sous un document quelconque ou bien sous une position commune, c'est ça? Tout à fait, Romanès. Parce que nous avons une course contre la montre. Et quand on a parlé avec vous là, une crise alimentaire sévère dans tout le pays. Non, on ne peut pas manger. Nous n'avons pas besoin de vous passer par là. Et bon, d'ailleurs, vous remarquez, c'est que le kidnapping là recommencé, pire. Insécurité à bas les terrains. Donc, nous risquons de gagner une catastrophe humanitaire en Haïti. Et nous répétons encore, peuple là sous béton, hein, la très résistante. Acteurs politiques doivent suspendre ces dilatoires. Je vais être la serré, match là raide. Non, ces dilatoires, je vais être coquin. M'a répété encore double 6 qui a mouru dans mes acteurs politiques. Au niveau de l'OPL, nous sommes restés très vigilants. N'a veillé en haut, n'a veillé en bas. Dans ce sens-là, n'a demandé que ce soit Montana, PEN, société civile, secteur privé des affaires, parti politique non aligné, pour nous joindre en tête, pressé. Pour ça que c'est passé en 2004 là, pas arrivé nous. La nature a horreur du vide. International là, déjà a préparé un goal à main pour nous.
Et je crois que, je dis, nous alerter la population pour comprendre le jeu de table. Alors, je suis intervenu matin pour être capable d'informer le peuple haïtien qui s'accapent cuite dans la cuisine. Radio Omega. Et, gros chef cuisine, là, pendant qu'on a parlé là, c'est international. Là. Et chef cuisine là, a préparé un bouillon vidé qui fait un véritable bouillon réchauffé. Donc, j'espérais que je parlais. On bouillon réchauffé pour nous qui est son ancien premier ministre déjà ou ancien président déjà qui t'a banou là Radio Omega. Actuellement ça qu'a préparé dans cuisine là. Parce que pas oublier que c'est l'information qui mène le monde. Eh bien m'a informé population gagne trois cas de figure sous table négociation politique. Internationalement il n'y a pas de problème sous question au Conseil national de transition. Mais, bon bagage pour l'international, la comprendre, bon principe sacro-saint, c'est ça nous donner le droit à l'autodétermination des peuples. Je dis, il faut que nous prenions droit à monde non. Et international, il n'y a pas de problème avec le Conseil national de transition, mais il y a un mandat pour que Premier ministre de facto Ariel Henry, il était. Merci international. Restez comme premier ministre ou bien l'apprenant conseil là. Restez comme premier ministre, ça c'est le premier cas de figure là. N'a tout rejeté de revers de main, proposition ça avec international. Fait, voyez bien, acteur politique. D'ailleurs, c'était pas laver mes suies à tête. Deuxième cas de figure là, c'est que je proposais pour nous gagner. Premier ministre de facto Ariel Henry, non, au conseil de transition, comme président conseil. Là. L'a dit, encore une fois, nous rejetons proposition. Salut, Oui. Vous permettez-moi? C'est Hello? Lobbyiste qui travaille ou bien c'est international la cap deal? Comment vous faites ça? Professeur, j'ai une inquiétude. Est-ce que c'est des lobbyistes qui ont fait travail pour Ariel ou bien c'est la décision ou bien de décision que l'international a voulu prendre pour Haïti? Parce que je n'ai pas d'information sur ça. J'ai remarqué chaque fois que je suis intervenu dans l'émission, samedi, il y a toujours une suite. Et l'information que ma baille peut pas ici, c'est information de bonne source. Parce que moi-même, quand je parle là, je ne suis pas seulement spectateur, je suis acteur. D'ailleurs, mouvement de protestation dans tout le pays, il était commencé dans le sud, et jusqu'à présent, nous sommes au CAI, nous sommes dans le sud, là, toujours qu'un des plans de mobilisation en lui-même. Quand il aime communiquer à la population, il y a une information, nous comptons à bien. Ce n'est pas seulement l'obligation. International, là, tout le monde a un plan. Là. Et plan international, là, c'est fait en sorte eh bien, que nous restions dans le cercle vicieux. Là. Que le premier ministre de facto Ariel Henry pas mettre tête lui. Et patron, il a un agenda politique qui veut exécuter. C'est dans ce sens que m'a exhorté la classe politique haïtienne, la classe politique traditionnelle haïtienne. Pour être très prudent, parce que en droit, il y a un pareil que nous avons les conclusions. C'est-à-dire, la classe politique, là, double six camourinamel. Et m'a tout profité, voyons un message, que ce soit. By opportunistes, profiteurs, que ce soit by international, quelle que soit la solution qui t'apprend à crise, là. Du moment qu'elle part en faveur de la population, eh bien, mobilisation a continué. C'est ça que fait, nous dit, moun le sud, restez mobilisés. Moun le tout l'espérant, restez mobilisés. Pas gen gon la main qu'a fait. Pour m'en est sous permettre, je pense que je dis, il y a des partis politiques non alignés. Je t'ai profité pour me demander de suspendre jouer sous deux claviers. Moment, ce n'est pas un moment pour nous prêcher division. C'est un moment pour nous unir, nous. Parce que si nous pas unis, nous, eh bien, le Sahara n'a pas ennemi, yo, avantage sous nous. Et je crois que je dis, acteur politique qui chita, autour de la table des négociations, il faut comprendre tout, non seulement pour que le cadre sur table, mais il faut qu'il y ait intégré jeunesse pays dans sa carte. Très bien. Le Grand Nord, le Grand Sud doit participer à la négociation politique. Et nous, il y a quelques lobbyistes qui ont fait sortir
cabinet ministériel. C'est non monde, soi-disant, qui va faire partie de l'Haut Conseil national de transition. On a dit tout ça, c'est beau. Bim. Ça qu'a fait là, faut qu'il fait en toute transparence. Radio Omega. Une façon pour ne pas, eh bien, subir même choc que nous avons subi dans le passé. Merci beaucoup, sénateur. On a conclu, les arrivés sous moi. Eh bien, Romanès, encore une fois, je demande à tout le monde pour être mobilisé. On a continué à veiller en haut, on a continué à veiller en bas. Et nous demandons à la classe politique de suspendre cette dilatoire parce que le peuple haïtien n'est pas capable de se souvenir. Merci en pile, sénateur Jean-Marie.